Yala. Ceux qui ont de la merde dans le cerveau, ils voient le mal partout, mec. Et alors, ils projettent ça sur toi. Et ils croient que t'es comme eux. C'est-à-dire que tu t'identifies à des pensées négatives et de la merde. Alors qu'en fait, même si t'as de la merde dans le cerveau, si tu t'identifies pas, t'es libéré. Tu sais, la merde dans le cerveau, c'est juste l'inertie du passé. C'est juste les mauvaises habitudes de pensée du passé. T'as mis de l'énergie dedans et ça continue. Donc si t'arrêtes d'y faire attention, ça finira par s'arrêter. T'auras plus de pensées ou t'auras plus que des pensées positives si t'as envie d'avoir des pensées positives. Les pensées positives, les pensées négatives, c'est la même médaille. La médaille de l'illusion des pensées. Si tu fais des pensées positives, ton corps sentira bien, ton esprit sentira bien, il n'y aura que des choses positives qui apparaîtront autour de toi, à part quelques vampires qui veulent essayer de te ramener dans le négatif. Mais si tu les détectes, ça ira, tu transmuteras tout. Si tu as des pensées négatives, et que tu y crois, parce que si tu n'y crois pas, c'est comme un gosse qui crie dans la pièce d'à côté parce qu'il veut plus de sucre. Parce qu'il veut des bonbons, il veut des bonbons. Tu sais bien qu'il est con, donc tu l'écoutes plus. Tu le laisses se désintoxiquer et tu lui prépares de la bonne nourriture. C'est-à-dire que tu donnes plus d'attention aux mauvaises pensées et tu cultives les bonnes. Ou tu cultives le silence intérieur, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que les bonnes pensées sont pleines d'espoir des fois. Et ça veut dire que quand ces espoirs s'écroulent, tu retombes dans les mauvaises pensées du désespoir. Donc c'est mieux de cultiver les bonnes pensées tout en sachant que même les pensées positives sont fausses. Ainsi, la machine de ta matérialité, elle est heureuse et elle met le bonheur autour d'elle, mais t'es quand même détaché de cette illusion de la matrice. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux jouer tous les rôles que tu veux dans le monde, mais en étant détaché du monde, tu les joueras à la perfection parce que tu ne t'identifies pas, ça passe juste à travers toi. Tandis que si tu commences à t'identifier à un rôle ou l'autre, t'es keblo, mec. T'es keblo dans un égrégore social à deux balles, t'es dans la matrice. Ram, 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 ram.